leaning closer, my ears are stone. All I heard were the last three notes that you could sing. I'm fanning pages and counting verbs. I'm skimming words, but I haven't read a single thing. Fill my head with songs you wrote and poems you found. These gargoyles warn of mine, ghosts of tomorrow. Of tomorrow. Ghosts of tomorrow, my ghosts of tomorrow. And when you're singing as the chorus grows, your timbre shows that you want something I want to give. Feel it far, try to make it close. I sell my clothes, but I'm not naked as the way you live. I disappoint you, so just sing like you can see. Past the the keys and wait for me. Lay me down, love me tomorrow. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, une nouvelle fois, on se retrouve en forêt. Alors pour vous parler de quelques petits éléments. Alors il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment une vidéo, je dis pas à l'arrache, mais presque de manière à vous partager certaines choses que je pratique, comme vous pouvez le voir derrière moi avec ce hamac. Donc aujourd'hui les conditions météo sont très très bonnes. Alors même s'il y a quand même un peu de vent, il n'en reste pas moins que c'est extrêmement agréable. Il fait quand même relativement chaud, les températures ne vont pas descendre en dessous de 14-15 degrés cette nuit. Et du coup dans cette journée il fait entre 27 et 28 degrés. Alors un peu moins ici en forêt puisqu'il y a toujours dans cette forêt des couves. Alors je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres régions de France, mais ici en règle générale, en fonction des situations où on peut se trouver en cette forêt, on a généralement 3 à 4 degrés de moins que à la ville. Du coup c'est particulièrement agréable, alors y compris d'ailleurs pour pouvoir se faire une petite sieste, pourquoi pas avec ce hamac que je vous ai présenté en introduction dans cette vidéo. Alors je voulais vous partager tout simplement le comment, puisque j'ai eu quand même pas mal de questions en message privé toujours. Donc merci encore à tous ceux qui ont cette manière de vouloir dialoguer avec moi par le biais de la messagerie, donc via la boîte mail. Donc vous avez été nombreux à me demander comment j'utilisais pour fixer mon sac lors de la dernière vidéo que j'avais présentée, notamment avec le RAT 5. Et quel était le système que j'employais pour pouvoir fixer le sac en fait contre l'arbre. Puisque vous avez été nombreux à trouver ce système particulièrement intéressant. Et du coup, pour illustrer la chose, eh bien j'ai tout simplement posé également le hamac pour vous montrer, puisque c'est exactement le même système pour pouvoir le réaliser. Donc il n'y a absolument rien de sorcier là-dedans, hein. Il vous suffit de prendre de la corde. Alors bon, moi j'utilise de la paracorde, mais vous pouvez utiliser tout autre système à partir du moment où c'est fiable en tension. Il faut quand même faire attention à l'histoire de la tension. Alors même si la paracorde n'est pas ce qu'il y a de mieux pour fixer soit le hamac, le sac, ça pose pas de problème, mais le hamac ça peut éventuellement... je dis pas poser problème, mais ne pas être totalement fiable, surtout si on reste très très longtemps, et notamment avec les variations de température, puisqu'en fait, même si c'est extrêmement solide, puisque
en paracorde 550, ça résiste quand même à 250 kg de tension. Donc il y a bien sûr matière à pouvoir fixer tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que la paracorde en 550 a tendance à se distendre légèrement. C'est-à-dire que quand elle est véritablement tendue, elle a tendance à perdre en fait de sa rigidité en fonction de la température, des fluctuations de température, et voire éventuellement si elle est mouillée. Ça ne change rien quant à sa résistance intrinsèque, mais ça peut éventuellement poser quelques problèmes, notamment avec le hamac. Le hamac a tendance à se distendre un petit peu. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la fixation du hamac, mais ça fonctionne bien sûr sans problème. Alors pour la réalisation de ça, c'est pour fixer autour d'un arbre, il n'y a absolument rien de sorcier. Vous allez prendre en fait un brin. Alors moi je vous conseille de prendre environ 2 mètres de longueur pour que vous soyez à l'aise. Parce que qui peut le plus peut le moins. Et si vous prenez moins de longueur en fonction du diamètre, de la circonférence des arbres plutôt, vous allez vous risquer de rencontrer quelques difficultés pour pouvoir faire le tour du tronc, pour pouvoir fixer votre système de fixation, soit pour le sac, soit pour le hamac. Donc je vous conseille de prendre 2 mètres. Et finalement, au final, il va rester, alors 2 mètres, 2 mètres 50, il va rester 1 mètre 20, 1 mètre 30, 1 mètre 50, quoi, à peu près. Entre 1 mètre 25 et 1 mètre 30. Donc, pour la circonférence des arbres, c'est pas forcément, comme par exemple pour celui-ci, ça va être trop juste. Celui qui est derrière moi, ou l'autre d'ailleurs, pour lequel j'ai fixé le hamac. Donc, il va falloir mettre plus de distance. Par expérience, je vous invite à prendre environ, 3 mètres de longueur de corde, pour être vraiment tranquille. Une fois que vous allez avoir vos 3 mètres de corde, vous allez les diviser par 2, tout simplement parce que par son milieu, vous allez garder donc ce côté-là. Vous allez diviser la longueur de corde par 2, puis vous allez faire un nœud tout bête à l'extrémité. Un nœud tout simple, rien à chercher plus loin. Et ensuite, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Moi, je l'ai fait tous les 20 cm, mais vous pouvez le faire tous les 10 cm, tous les 30 cm, ça va dépendre. Vous allez faire des nœuds. C'est tout bête. Vous allez prendre, une fois que vous avez pris ça, vous allez prendre l'extrémité et vous allez faire un nœud. Et ainsi de suite, sur toute la longueur de la corde. Ce qui va permettre donc notamment de pouvoir donner justement, à un moment donné, lorsque vous allez avoir fixé votre système autour de l'arbre, vous prenez votre mousqueton, ici, et puis vous allez le fixer comme ceci. Alors, il y a deux options. Soit vous utilisez le hamac, soit vous le fixez à l'intérieur comme ça, de manière à ce que ce soit bien fixé. Donc voilà ce que ça va réaliser. On va avoir une anse, tout bête, qui va être arrêtée par l'extrémité ici et par le nœud de l'autre côté. Et puis vous allez avoir le reste qui va pendre. Soit vous faites ce système-là, soit l'autre, qui est à mon sens plus judicieux, vous allez tout simplement, au lieu de passer la corde à l'intérieur du mousqueton, vous allez la laisser libre, mais vous allez faire le tour. Et une fois que le tour sera fait, vous allez tout simplement passer votre mousqueton sans l'ouvrir à l'intérieur d'un des systèmes de nœuds. Ce qui fait que quand ça va remonter, tac, automatiquement, ça va serrer. Tout bêtement. Et vous allez avoir votre mousqueton à l'extrémité. Rien de plus simple à réaliser. Donc ça se fait extrêmement simplement. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, j'avais trouvé ça il y a très très longtemps, il y a de très nombreuses années. Alors je l'avais présenté sur l'un des anciens hamacs qui était sur la chaîne, l'ancienne chaîne. Donc j'avais déjà présenté ce système là, mais comme depuis pas mal de gens m'ont posé la question, et puis que pour savoir exactement comment ça fonctionnait, j'ai décidé de faire cette petite vidéo juste pour vous montrer ça. Voilà. Et donc ce sera pas un rush qui sera en une seule prise comme j'ai l'habitude de le faire, parce que je vais vous proposer un autre élément juste après, donc qui est un petit mora, justement en restant dans l'état d'esprit des choses pas chères que l'on peut utiliser et qu'on peut aller en forêt, pour lequel on peut s'amuser sans vraiment de complications. Derrière moi, c'est le hamac, donc je vous en avais fait la présentation déjà. Donc je vais vous laisser le lien sur le coin qui va s'afficher, qui va vous permettre de voir. J'avais déjà fait la présentation sur ce hamac, donc c'est le Décathlon, qui est toujours présenté d'ailleurs au catalogue. Il y a maintenant un nouveau modèle qui est en fait un deux places. Celui-ci, c'est une seule et unique place, mais il existe également le deux places. Alors ce qui est intéressant avec ce hamac, c'est que c'est pas cher. Ça permet de passer une après-midi et décider de faire une sieste de façon solitaire, ou éventuellement avec les enfants ou des amis, etc. C'est relativement compact, c'est pas lourd, c'est quand même assez fiable. Et puis vous avez la possibilité de vous envelopper quand même à l'intérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de place.
Alors bien sûr, après, il existe une tonne de hamacs. Hein. Donc je ne suis pas là pour parler des hamacs. J'en parlerai peut-être dans une vidéo ultérieure, notamment avec un hamac assez spécifique qui nous permet de passer la nuit dedans, avec un système au-dessus de toile qui permet donc justement de se préserver de l'humidité, et avec une moustiquaire intégrée, et qui permettra donc justement de se préserver des insectes pour la nuit. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous représenter ça ultérieurement dans une vidéo, pour une prochaine vidéo. Là, c'était juste pour vous présenter un petit peu le côté tranquille, sans se prendre la tête, décider de partir. Alors sachez qu'on peut l'utiliser éventuellement pour dormir la nuit. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises sans vouloir me prendre la tête en partant, et puis décidant finalement en cours de route de me dire je vais m'arrêter, je vais dormir, et plutôt que de dormir dans la voiture, d'ailleurs je vous en parlerai par la suite, on peut utiliser le hamac avec les arbres entre les deux. Alors il n'y a rien de sorcier quand on a l'habitude en fait d'utiliser ça. On n'a pas besoin de mesurer pour savoir la longueur que ça va faire exactement. À vue de nez, on sait qu'on va pouvoir loger le hamac entre les deux arbres. Alors pensez environ dans les 4 mètres. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Ça vous permet de ne pas être trop près du tronc quand vous allez fixer votre système de hamac, ou alors trop lâche. Voilà, c'est un compromis entre les deux. Comme ça, vous disposez quand même un petit peu de marge de manœuvre avec le mousqueton et puis la corde. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais vous présenter le petit morin. Voilà, je vous retrouve pour vous présenter ce petit morin. Alors déjà, pour commencer, vous allez m'excuser parce que je suis parti à l'arrache et du coup je ne me souviens absolument plus du nom de ce petit couteau. Du coup, puisque j'étais parti vraiment à l'arrache, c'est-à-dire que je suis parti comme ça, puis je me suis dit je vais en profiter pour leur parler de l'histoire du hamac et puis la fixation du sac. Et comme j'avais ce petit morin dans le sac également, je me suis dit pourquoi pas vous en parler. En regardant cette vidéo, vous saurez bien entendu ce que c'est comme couteau, puisque je l'ai laissé en commentaire et puis dans le titre. Mais vous m'excuserez par avance, j'ai complètement oublié ce que c'était. Donc c'est probablement l'un des morins les plus abordables qui soit. Il existe une foule de morins, vous le savez bien. Hein. Alors, il n'y a plus besoin d'expliquer un petit peu la gamme de chez Morin. Et celui-ci, c'est probablement l'un des plus économiques, des plus abordables qui soit, puisqu'il faut compter environ entre 7,50€ suivant la version, et 9,50€. Alors 7,50€ pour la version en carbone, qui est celle-ci, et 9,50€ pour la version en acier 12C27, voilà, en acier inox. Donc c'est franchement, c'est le prix d'un opinel. Voilà. D'ailleurs, on est à peu près sur la dimension lame ouverte d'un opinel numéro 10, de souvenir, je crois que c'est ça, hein, un opinel numéro 10. Donc on est à peu près sur les mêmes dimensions. Alors celui-ci, c'est une lame en acier au carbone, donc il a tendance à marquer pas mal, hein. Donc je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir, mais enfin bon, je m'en suis servi énormément, ça fait quand même plusieurs années que je le possède. Donc cette version-là, ce coloris-là, c'était tout simplement pour, je crois que c'était une série limitée, alors je me rappelle plus, c'est pareil, de toute façon je vous ai laissé les liens dedans pour que vous puissiez voir. Donc l'étui en polymère qui est assez bruyant, tout ce qui est plus basique, avec un trou à l'extrémité pour évacuer l'humidité au besoin. Alors initialement, c'est prévu avec un espèce d'ergot, hein, qui monte ici comme ça là. Alors, il y a beaucoup de vent, j'espère que ce sera audible parce que j'ai pas emmené mon micro. Il y a un espèce d'ergot qui monte jusqu'ici et qui normalement en fait est prévu pour s'enclencher comme ça sur l'arrière d'autres types de moras qu'on peut posséder. Comme ça permet d'effectuer un combo, on va dire. Je vais attendre un petit peu que ça se calme. Alors c'est fou parce que en transition, les épines commencent à tomber. Il y a pas mal d'épines de pin qui tombent. C'est étonnant. Mais bon. Moi je l'ai retiré. Tout simplement parce que ça me gênait pour le mettre dans le sac. Parce que c'est quand même assez haut. C'est haut comme ça là. Et puis ça a une forme un petit peu triangulaire. Donc je l'ai tout simplement retiré. Voilà. Donc ça, rien à dire pour l'étui. Enfin, rien à dire. On va en reparler en retour d'utilisateur. Et donc le Mora, donc un manche assez ergonomique, avec une lame qui n'est pas très très longue et puis également pas très épaisse, mais par contre ça tient très très bien en main. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, moi j'ai pas des grandes mains, je fais du M, et sincèrement, alors pour le coup là, ça va être difficile de... Là, il est... je dis pas qu'il a été fait sur mesure, mais pratiquement quoi.
Voilà, c'est-à-dire que sincèrement, au niveau de la tenue en main, c'est impressionnant. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une dragonne pour utiliser ça, parce qu'on le tient extrêmement bien en main. Alors c'est très économique. Alors en épaisseur de lame, ça fait 2 mm, donc c'est pas très très épais. Par contre, ça coupe extrêmement fort, hein, comme tous les moras de toute façon, puisque c'est bien sûr une émouture scandinave. Donc ça pénètre extrêmement fort dans la matière. Donc il faudra faire attention avec les doigts quand même. Par contre, c'est extrêmement léger. Vraiment, c'est très très léger. C'est très versatile. Et ça remplit, alors je dis pas toutes les tâches qu'on peut avoir, mais enfin, si on va se balader en forêt, là comme je suis en train de le faire aujourd'hui, parce que je n'ai pas emmené que ça, parce que j'ai le gros mora, le Kansbol qui n'est pas le Garberg. Alors je sais, on m'a posé la question, je vais bientôt revenir là-dessus. Donc j'ai emmené celui-ci avec moi aussi, et je m'étais dit que j'allais vous le présenter, donc je m'en suis servi quand même pas mal, j'ai fait pas mal de choses. Alors voilà, juste pour vous proposer que ça coupe extrêmement fort, je vais vous montrer avec une pomme de pin. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, une pomme de pin, c'est pas très solide, ça se casse facilement, etc. Oui, c'est vrai que ça se casse facilement. Par contre, c'est juste pour vous montrer la force de pénétration du couteau dans la matière. Voilà, ça coupe extrêmement fort. Donc, bien sûr, même sur le bois. Mais ce qui est intéressant avec une pomme de pin, par exemple, c'est que le cœur est assez, voilà, le cœur est très très est assez dur, mine de rien. Parce qu'en fait, c'est gorgé de sève. Ça sent extrêmement bon d'ailleurs. Donc même celles qui sont sur le sol, alors prenez évidemment celles qui viennent de tomber assez peu, il y a assez peu de temps. Mais ça coupe extrêmement fort. Alors c'est juste pour vous montrer la force de pénétration, parce qu'effectivement, ça se casse assez facilement une pomme de pin. Hein. Voilà. Mais avec les, comme c'est comme une espèce de couche successive avec des, voilà, comme des, bah presque comme des oignons, hein. Et du coup c'est intéressant de montrer que bah, ça coupe, alors dans un sens comme dans l'autre évidemment, voilà, ça coupe extrêmement fort, donc ça coupe très très fort, et on l'a extrêmement bien en main. Ça c'est ce que j'apprécie avec chez Mora, hein. Mais bon, c'est une surprise pour personne, mais voilà, ça coupe extrêmement fort, voilà. Alors ça s'affûte extrêmement bien, c'est le carbone. Bien sûr, vous le savez, j'ai une préférence pour le carbone, une nette préférence pour le carbone, parce que justement, ça s'affûte extrêmement bien. Alors évidemment, ça se patine, ça devient... voilà, ça se... Alors si on l'entretient, il n'y a pas de souci. Il faut mettre juste un petit peu d'huile. Bon, voilà. Vous le nettoyez en rentrant. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et en règle générale, j'ai pas de souci. Bon, ça c'est un petit peu marqué, évidemment. Hein. La lame n'est plus aussi nette qu'à l'origine. Mais ça pose pas de problème. Donc voilà, pensez-y, parce qu'il est pas cher, il est franchement, il est extrêmement économique, et il est vraiment très 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 bien, alors il est pas forcément très très bien équilibré, par contre, bon, il n'y a pas de dragon, mais par contre en main, c'est vraiment, moi je trouve que c'est extraordinaire ça, en main, ça tient extrêmement bien, même les mains mouillées. Alors, retour d'utilisateur, alors les avantages, extrêmement économique, c'est pas cher du tout. On peut même s'en acheter deux ou trois, en mettre un dans la voiture par exemple, hein, dans un sac, ou même en mettre un dans chaque sac, et puis ça va remplir, on va dire, 80, allez, vous voyez, 60, soit entre 60 et 70% des besoins qu'on va avoir à faire sur le en forêt quand on va se balader. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Et puis c'est quand même mieux qu'une lame pliante. Alors je pense notamment avec les fameux opinels. Hein. C'est vrai que bon, moi c'est pas une critique, moi j'adore les opinels, hein, vous le savez. Mais c'est vrai qu'un opinel, bon, c'est une, même si avec la virole ça tient extrêmement fort, même un numéro 10 ou à plus forte raison un numéro 12 qui commence déjà à être un gros couteau, même avec la virole, bon, c'est très sécurisé. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un petit couteau fixe pas cher qu'on peut vraiment utiliser partout, ça c'est vraiment top. Alors par contre, le retour d'utilisateur est ce que je trouve négatif. Ben, ce que je trouve négatif, c'est l'étui. Bon, habituellement, je suis très 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 satisfait des étuis de chez Mora. Mais alors là, pour le coup, celui-là, je dis pas que c'est zéro, mais pas loin. Parce que, hop là, voilà. Il n'y a pas besoin d'ailleurs, franchement, un petit coup sec, voilà, et le couteau il tombe. Il n'y a franchement pas besoin de s'énerver avec ça. Pac, voilà. Donc ça, par contre, c'est pas top, hein, parce que, alors, déjà, ça se balade pas mal, et puis au niveau rétention, c'est zéro, quoi.
Vraiment, il n'y a rien. C'est, voilà, c'est juste avec voilà, deux doigts, mais c'est vraiment sans rien. Hein. On toque, ça sort tout seul. Donc ça, il va falloir voilà, parer au problème. Alors pour parer au problème, mettre un petit peu d'élastique que vous allez faire. Vous faites tout simplement, je vous le montre, vous faites un petit nœud, voilà, une petite anse. Vous passez l'anse à l'intérieur ici, là, de ce système, là, comme ça, ici. Voilà, et puis vous le remontez vers le haut, donc ça va tenir, et vous allez en serrer le haut du couteau. Voilà, et là ça bouge plus. Voilà, c'est tout bête à réaliser, ça coûte rien du tout, et au moins vous n'allez pas risquer de faire tomber le couteau si jamais vous le portez sur vous à la ceinture, une branche, n'importe quoi, ou avec le sac, ou quoi que ce soit. Surtout qu'un couteau qui sort comme ça de son étui, hein, ça a beau être pas une lame très très grande, très longue, etc. Si jamais vous vous coupez avec ça, ça franchement, ça va être dommageable. Donc, il faut y penser. Voilà. Pour le reste, hormis l'étui, sur lequel il faut parer, mais qu'on peut le faire sans trop de problèmes, rien à dire. Franchement, c'est pour le prix. Moi, j'aime bien aussi vous proposer des trucs qui sont pas chers, enfin, en tout cas, qui sont abordables. Et là, pour le coup, franchement, c'est pas cher du tout, quoi. C'est franchement, n'importe qui peut s'acheter ça. Et ce sera vraiment, alors en plus c'est pas très très grand, alors c'est pareil, hein. Pantalon, voilà, on peut mettre ça dans, alors ça va dépasser un peu évidemment, voilà, mais on peut le mettre dans une poche cargo de pantalon, ça posera pas trop de problèmes. Et puis à la ceinture, bon, ça se pose, voilà, sans problème, très rapidement. Alors c'est pareil, voilà. Ça se pose, ça se porte très très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça permet justement, quand on le met comme ça un peu en arrière, en dégagement, on se lève, voilà, ça reprend la forme, il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc c'est vraiment un très très bon compromis. Et bon, hormis l'histoire de la rétention, sinon voilà, il n'y a pas de souci pour par rapport à ça. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça, le petit truc et astuce. Je vais vous laisser en compagnie de quelques vidéos que j'ai pu prendre ici ou là. Comme vous le savez, j'aime bien voilà, un peu en musique. C'est toujours mon truc, hein, à moi. Alors je sais que même pour certaines vidéos, certaines de mes vidéos ont pu éventuellement interpeller certains d'entre vous en se disant que c'était un petit peu particulier ce que je faisais. Bah écoutez, ça continuera. Voilà, il y aura d'autres trucs qui seront un peu particuliers comme ça, comme la vidéo que j'ai faite sur la dernière là, notamment avec le sac Viper, donc le Jaguar. Mais c'est comme ça, j'en ferai d'autres, avec des intros un petit peu particulières, voire même des thèmes assez particuliers. Moi j'ai un thème qui est favori, c'est le temps. Voilà. Donc j'aime bien jouer sur les jeux de mots, les trucs comme ça, et sur aussi amener sur le temps les choses qui peuvent se passer. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc sans doute que je referai des vidéos un petit peu particulières. Voilà, donc celle-ci était un peu à l'arrache. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Moi, je m'en retourne dans mon hamac, histoire de me finir ma sieste et la journée qui est déjà bien entamée. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut. Accusing me of love.
would you give one more day if you're able to lie and wander before they clear one more place at the table lie and wander a penny for quand vous allez en forêt comme ça, essayez de vous imprégner du lieu, de ressentir les choses. Prenez le temps de vous poser à un endroit, arrêtez de bouger. Alors là, on entend le vent dans les pins. Quand on est dans des lieux comme celui-là, là derrière moi, où c'est, par moments on a l'impression que c'est presque du gazon pour le golf, tellement c'est magnifiquement vert, ces espèces de petits îlots là. C'est juste. Moi je vais pas vous embêter, on va pas y passer 3 heures. Mais bon, c'était juste pour vous faire profiter quoi. Voilà, quand vous êtes dans un lieu, essayez de vous en imprégner. Posez-vous tranquille. Voilà. Allez, je vous laisse.